Mais tu sais, quand tu sens que ton gars t'échappe là, tu as le devoir de le travailler encore. Aga, que qui n'a pas aussi le corps, il n'a qu'à venir travailler aussi sur mon corps. Toi, entre 5 ans et 1 an, est-ce que c'est comparable? On a quand même partagé plusieurs, plus de souvenirs que ça. Tu sais que l'homme, c'est le format A4, les souvenirs, c'est le crayon. Tu viens, tu dessines ta part et tu quittes, non. Si la prochaine, il y avait la gomme, c'est ta part l'un. Bon. On va dire que Priso et moi sommes dans une période d'observation. Voilà. Ben, y a les grands divers comme ça et tu te caches. Non, mais c'est juste que je tâtais le terrain, en fait, simplement avant de t'en parler, c'est tout. Elle vit mal, ça c'est sûr. Tu n'as rien gagné. Non, et du coup, gars, maintenant moi je subis les conséquences. Elle me pourrit la life, frère. Ah, je te comprends. Donc, tu es pareil, son problème, tu vois. Non, je te comprends. Je te comprends. Mais, tu sais, dans cette affaire-ci, là, tu n'as que j'embosse, non. Tu peux essayer de faire quelque chose, mais il faut quand même que tu parles bien, tu motives un peu. Ton frère de l'Ouest. Mmh. Est-ce qu'elle peut te faire travailler gratuitement? En tout cas, vivons d'abord, même d'abord. Ah, c'est vrai. Ça, c'est un problème qu'on peut régler. Tu n'aurais pas vu ma chemise que je portais hier soir. Papa, bonjour. Depuis derrière, tu as mon col là. Tu dis, je comprends pas. On est en train de partager un moment entre filles. Tu arrives là, c'est quoi? Tu ne me chasses pas une fois. Malek, tu parles même de quelle chemise? Est-ce qu'on porte tes habits ensemble? Non, on ne porte pas ensemble. Mais c'est bien toi qui me les enlèves. Ah, papa. Quand toi-même tu enlèves ma part là, tu penses à quoi? Tu veux que je tombe malade toute seule? Avec le froid, c'est en plus. C'est ça même, ma copine, elle a bien parlé. Dis, Karine. Où est ton problème dans ma conversation avec ma copine? Laisse-la même. Quand toi-même tu portes nos affaires pour baiser dans ses oreilles, là, tu comptes sur quoi? Voilà. Oh. Oh. Je ne peux pas laver l'eau dans la bouche. Mon ami, tu ne parles pas avec l'eau dans la bouche. Hein. Va change ton name. Là, là, maintenant, là. Vite, vite, vite. Parce que je pense que tu sais plus trop comment tu t'appelles. Là. En tout cas, Malem, écoute, moi je n'ai pas touché ta chemise depuis hier soir. Maman, tu te justifies même pourquoi? Joanda, la chemise que tu portes depuis des jours. Ah, d'accord. Ha! Je la porte tellement depuis des jours que c'est toi en fait qui l'a cachée, c'est ça? Je cache pourquoi? Et alors dessus? Faut arrêter ça, j'ai mis ça au sali à 1 heure. Mince. Karine, qu'est-ce que je t'ai dit? Ne rentre plus dans ma chambre. J'ai mes affaires, tu as les tiennes. J'ai mes ouais, tu as ta life. Ne rentre plus dans mes affaires quand je suis pas là. Wafo chérie, tu me laisses négocier s'il te plaît. Non. Tu regardes l'homme faire. J'entre, je fais la présentation. Toi, tu restes derrière moi. De toute façon, je pense que M. Chumba l'a déjà briefé sur le deal. Donc, je prends la température des choses. Si elle résistait un peu ou trop, c'est là que tu peux intervenir. Mais on va perdre du temps pour rien, dis donc. Laisse-moi séduire le gars direct. Comme ça, il nous libère au plus tôt. Non. On est sorti de la maison avec un plan et on le respecte. Comme moi. Comme tu veux. Reste derrière moi. Rien quoi faux. C'est pas le téléphone qui sonne, c'est soit les gens qui viennent me déranger. Je peux pas te chanter. C'est qui? Bonjour monsieur Basson. Oui, c'est Wafo. Je suis un ami à votre patron, monsieur Chumba. Vous ne me connaissez pas. Et on s'appelle seulement Chuchu entre nous. Je suis venu vous voir. Bonjour monsieur Basson. Je me présente, Face.
jeune mannequin de secondaire et... Bisous là. Un esprit très ouvert. Ne sais pas trop maman, elle sort d'homme dans la tête du logiciel. Ouais, c'est même ça que ça va. Ouais, c'est pas grave chérie. Mon frère. C'est naturel, hein. Voilà. C'est naturel d'aller aux toilettes. On va pas entrer. Karine, c'est quoi ton problème? Tu as ta chambre, tu as tes affaires. Ne viens pas mettre ton nez dans mes affaires. Même si à la moisissure, tu m'aideras. Il n'y a pas de souci. C'est pas ton problème, ça ne te regarde pas. Moi quoi? Tu es pas ma femme, tu y as. Moisi. Moisi quoi? C'est suicidaire que ta quelle femme va se coucher. Maman, quand il parlait de femme, tu pensais parler de qui? Il parlait de toi. Non, 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 mais regarde comment la vie. Tu rends un service à quelqu'un. Tu ne peux même pas venir dire merci, ma petite soeur chérie. Ingratitude. Ouais. Comment j'ai voulu arranger tes affaires avec Priso? Tu n'as pas vexé. Mais mon ami, je dis, hein, ce n'est absolument pas la même chose. Tu as compris? Chacun ses PB ici dehors. Tu n'es pas, tu ne partages pas ta chemise avec quelqu'un ici. Je suis désolée. Chacun ses business. Mes problèmes, ce sont mes problèmes. Cache, tu ne t'en mêles pas, c'est tout. Touché. Apparemment, j'ai touché le point sensible. Tu verras alors que quand je te dis qu'il ne faut pas toucher à mes affaires, tu ne les touches pas. Bref, où est ma chemise? Dans ma chambre, panier à linge. Voilà, quoi tu veux. Et quand tu, comme tu es même fâché là, le dérange, viens. Mais moi, je vous comprends même pas. Je sais pas, tu peux pas prendre ses affaires parfois et aller laver. Waouh, Karine, laisse comme ça, laisse comme ça. Comme tu connais ton frère, non? Et le problème n'est pas là. Tu sais, moi, je n'aime pas le mot de tête. Et je me suis mis amis d'accord avec ma lèvre sur certains points. Chacun son indépendance. IGS c'est oui, je gère mes oui et tout le monde est content. Ah, en tout cas, c'est vous. Enchantée, mademoiselle. Enchantée. Je vous en prie, entrez, je vous conseille, c'est sur le palier. Oh. Quel gentleman. Pas avancé. Mmh. Vous allez où? Son pied, mon pied. Elle entre gentil, mon ami. Vous êtes en garde, quoi? Non, en fait, c'est mon frère et il est très protecteur, donc laisse-le entrer, s'il te plaît. Mon frère est jumeau même, donc plus protecteur que moi. Tu m'as passé. Tu fais attention. Tu traites ma sister, tu me menaces. Il t'a rien, hein? Moi, toi-même, tu es dans mon œil. Tu es dans mon œil même. Quel œil? Gauche. Écoute. Sweetheart, ne l'écoute pas. C'est avec moi que tu traites, ok? Allez, viens. Fais-moi bisous. On a beaucoup d'affaires à parler. Oh non. Karine, tu avais raison. Ma chemise était sale. Du coup, j'ai pris le t-shirt sous ton derrière. Ouais. Demande, tu vas fouiller dans mes affaires, tu mets le t-shirt là, tu sais que c'est pour qui? De toute façon, je suis à côté. Hein. J'ai pris Zo. Ouais, oh, juste à côté. Malep, ouais, c'est comment? Commandant. Tu vas où? Ouais, maman, le grand frère d'une dame. La honte va se rendre dessus. Pourquoi qu'est-ce que c'est? C'est le t-shirt de qui, non? C'est le t-shirt de Priso. En fait, il avait l'habitude de mettre ça quand il venait dormir chez moi, quoi. Donc, aïe. Non, Malette, t'as eu le trousse. Tu veux que j'appelle pour qu'il revienne? Non, tu vas faire mieux. Tu vas lui envoyer un de vos petits sextos, là, comme d'habitude. Comme tu fais bien. Et dis que je voulais l'inviter. Ah, pardon. Ouais. Oko. En tout cas. Goûte-toi bien, tu regardes ma cave. Il y a les dons pérignons et tout. Pourquoi ça? Ce n'est que ça. Regardez, tu as vu les dons pérignons? J'ai vu. Écoute, on ne va pas rester longtemps, tu sais. On est là pour le contrat de nos milks. Voilà. Chumba, tu t'en parlais, je pense. Donc, tu ne prends même pas un verre? Elle n'a pas besoin de boire un verre, donc. Mais non, on va pas rester longtemps. Ça va, mais... Monsieur Chumba, il a dû m'en parler. Hein. Il m'a parlé d'une affaire avec mademoiselle Gaëlle. Je dois voir cette dernière pour en discuter, c'est bien ça? Mm-hmm. Et donc? Tu la vois quand?
ton problème, si tu m'as les gars. Ouais, ton problème, c'est quoi les dents? Tu vas voir dame. C'est ma question. Mon ami. Donc, tu t'appelles. Attends, tu t'appelles fille. Je suis l'ami de ton patron. Hein. Donc, tu la vois comme. Tu es l'ami de mon patron. Tu dois négocier. Ton patron t'a dit de négocier un poste de mannequin vedette. Basson, chérie. Oui, mon amour. Ton amour, hein. Excuse-moi. Je vais être un petit peu hors sujet. Mais. Je suis très curieuse de savoir avec qui tu vis ici. Tu vis seule? Très bonne question. Tu vis seule? Maman, ça. Tu veux vivre avec moi? Basson, est-ce que tu vis seule? Oui, je vis seule. Mais. Ah. Mais. Beaucoup comme toi sont passés ici. Comme moi? Oui, mais elles n'ont pas fait plus de 10 heures d'état. Alors, elles n'étaient pas comme moi. Ah bon? Non. Ah, tu crois, mais. Ah, les deux gars, ton frère, ton frère, ton frère. Je suis sur mon frère. Depuis que tu restes, c'est la pire, gars, mon frère. T'as besoin de me reposer, papa. J'ai une semaine chargée, là, je suis fatigué. La chargée, c'est le paiement, mon frère. Y'a aucune question ici, là, non, gars. Mon ami, je m'en fous. Où tu caches mal, gars, ici, là, mon frère. Y'a rien à faire. Tu disparais comme ça depuis un moment, tu vois pas, tu es là, tu joues. Gars, tu es le bon gars, mon frère, on va faire comment? Je reste le bon gars, mon ami, mais je reste chez moi, y'a quoi? Allez, je suis là, avec ma guitare. Seul, j'apprends les petits sons là. Seul, c'est qui t'a baillé ton guitare là, référence à cette forme. Quoi? Gars, mon frère, tu n'as pas entendu quoi, mon frère? C'est qui t'a baillé ça? C'est pas lui qui m'a baillé la guitare. C'est qui alors? J'ai baillé ma guitare. Ah, ok. Gars, mon frère, sinon, je m'inquiète, mon frère, on te voit plus entre nous, gars. Il dit que ça remplace ta femme, mon frère. Jamais, ça remplace jamais la femme. J'ai jamais dit ça. Ça se passe bien entre vous. Tranquille, ça va. Quand je viens nous voir, Samantha, elle est où même? Elle est pas là. Depuis quand tu cherches? Elle est pas là. Elle est gars, c'est que je viens de faire là, gars. J'espère qu'elle a coucou moi avec vous. Mon ami, attends, mon ami. On n'a pas ce genre de rapport, elle et moi, mon ami. Vous avez ce genre de rapport alors, mon frère. C'est fait là. Je coupe ma chop. Voilà. Elle n'est pas cuisinière. Ah mon frère, il y a le où ici hein. Ah donc, quand c'est comment cher, tu le chop. Chop 500. Ok, ça t'a bon, ma chop. Gars, le chop non, mon frère, mais. Ça. On n'a pas cuisiné, mon frère. C'est moi qui cuisine, mon ami, ça. Tu vas confirmer. Il a déjà cuisiné quoi là. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Bonsoir, Karine. Très joli coiffure. Oui, merci. Tu veux quoi? Je cherche ma lèpre. Ma lèpre n'est pas là, bye. Attends, s'il te plaît. Je sais qu'il n'est pas là. Il m'a envoyé un message tout à l'heure. Et donc? Je suis juste un peu en avance, ok? Je peux entrer, l'attendre dedans. Il fait très très mal froid dehors. S'il te plaît. Tu fermes derrière toi. Merci. Les vernis partout dans la presse comme ça, non? Elle se voit qu'un gars envahit les lieux. En bas combien? Excuse-moi, ma langue fourche mal. Et parfois. La mienne en fourche bien. Prévenu, tu es. Ok. Tu peux avoir la télécommande au moins. Hé, pardon, tu n'arraches pas une fois. Hein. C'est un petit ça. Tu vois que l'affaire qu'on dit que le chien aboie dans sa cour est vrai. Et tu n'imagines même pas à quel point. Attends de voir quand je vais te croquer avec les dents ici. On va pas te dire. Ah là 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 là. C'est la nouvelle copine de prison qui t'a rendu aigri comme ça. C'est depuis que je t'y sais pas, c'est que tu as maigri comme ça. Et tu la vois quand alors? Toi tu commences à la déranger. Je vais la voir dans 2 semaines. Tu as compris? Non, 2 semaines c'est beaucoup. Basson. Écoute, tu sais, j'aime les hommes, non, j'adore les hommes déterminés et ambitieux. Tu sais comment, ça va y tomber. Écoute-moi, tu sais, ce que j'adore plus que les hommes déterminés, est-ce que tu sais ce que j'aime plus que les hommes déterminés?
Non, dis-moi. J'aime les hommes qui savent pousser la porte de leur destin. Mais... qui n'attendent pas 2 semaines pour agir. Est-ce que tu me suis? Qui n'attendent pas 2 semaines pour agir. Ma soeur, mon ami. Alors? Tu sais, ma demoiselle, fête. J'ai des instructions de mon patron. Mais non, chérie. Écoute-moi. Ouais. Ce que j'aime, moi, chez un homme, c'est son esprit d'initiative. Tu comprends? Et je refuse de croire qu'un homme aussi charismatique que toi ne soit pas son propre boss. Chérie, ce que je refuse surtout de croire, c'est que un homme comme toi laisse filer sous le nez l'occasion d'unir nos 2 destins. Bon, et le mien aussi, mon ami. Parce que... voilà. Je ne suis pas bilingue. Je ne parle qu'une seule langue. Et? Donc, toi, tu fais quoi dans notre destin? Mami, on est jumeaux et orphelins même. Dans le tout aussi là. Tout. Destin, d'autres, ce que tu veux là. C'est chez moi. Ça veut dire même quoi ici? Bon. Je compte sur toi. Pour faire le nécessaire. Hein? J'espère que tu sauras être à la hauteur de mes attentes. C'est même il y a trop de trop. Faut avoir qui se batte. C'est comment? Vu que tu m'as parlé si gentiment, je vais voir tout ce que je peux faire. Et quand on va rentrer là, on va ensemble, tu vas prendre mon riz. Parce que vos histoires de chèvres, tout ça, je suis pas des dames. On est en 2015 quand même. Je vais faire avec ton riz. Mais pour la dot, je travaille chez moi. Ne l'écoute pas, chérie. C'est avec moi que tu traites. Ça passe d'abord par moi. Alors... Non, appelle ton patron. Malé, dis-moi, tu t'es perdu ou bien tu camines jusqu'ici pour tirer la nouvelle de Samantha? Non, c'est bizarre. Je vois que ça saute. En fait, tu gardes ça. Tu avais gardé ça depuis un moment. Et maintenant que tu me sors ça. Mon ami, je prends la pression. Non, garde, un mot peut sortir. Là, je pense à son nom. Puis tu joues son nom, va. Je pense à son nom. Là, tu as joué le nom de qui? Ah, c'est un problème. C'est un problème de femme. Elle femme à l'agence. Flop. Tu vas te battre, on te donne un nouveau. C'est la femme, c'est pas une question de. Ah bon, et Gaël, tu quoi dans tout ça? C'est justement Gaël qui m'envoie. Tu vois, en ce moment, on a besoin de filles à l'agence et. Ça marche plutôt bien, soit les filles aiment bien le goût de mannequin et tout. Du coup, on est tombé sur le profil de Samantha. On ne sait pas si elle est intéressée ou pas. Justement pour ça que. Ah, mon frère. Bon, c'est quand même pas que ça peut l'intéresser. Hein. Ah, tu vois, quand tu veux. Quoi? C'est tout là? Quoi? Mais le normal, non. Allez. Pourquoi que tu as Waka? Ici là. Regarde, tu commences à me vexer, mon frère. Comment ça le numéro, c'est quoi, mon ami? Qui de là-bas pour ici, tu as le numéro de Samantha? Regarde, le numéro, c'est quoi? Oh, tu sais pas que j'ai les femmes. Je fais quoi avec le numéro de Samantha? Non, Malé, pas avec toi, il faut être tu sais. Regarde, il te dit ça. Regarde, tu me prends pour le nain. Le nain? C'est qui encore ça? Oh, tu es là, ouais. Ton pote. Le wafo. Regarde, dis donc. Oh, wafo. Regarde, non, tiens, y'a quoi, tiens. Alors? C'est gars, c'est la même chose. Non, ouais, tiens. Wafo. Il va même comment ce duo là? Il a mon frère, tu nous salaves, mon frère. Bah, vous, je sais où, non? Tiens, dis donc. Hey, Mujo, mais que toi? Hey, mais je croyais que Malève n'était pas là. Là où tu la vois, elle ressemble à Malève. Mais c'est son gars, non? Ton pied, mon pied, machin là. Vous n'êtes plus sur ça? J'ai un bref et constructif. Tu cherches Malève pourquoi? Tu es sa go ou tu es sa secrétaire? Je suis sa go et sa patronne. Max! 21e siècle! Il roule fort. Non, les femmes sont devant Skyes Emploi et à la radio. Ah, c'est vrai que maintenant, il veut go chercher Manga au pays. Hein. Bac, si tu es complexé, mais juste c'est ton problème. En tout cas, Malève n'a pas l'air de se plaindre. Si tu crois que mon ami te yamo parce que tu as trop school, c'est moi. En tout cas. Mais je demande, toi tu es parti de chez toi pour venir chez les gens chercher leurs problèmes gratuitement. Tu as même quel genre d'enfant? Je comprends enfin pourquoi Laetitia t'a barré. Toi,
Non, c'est ce qu'elle vous a raconté. Ah, tu t'en laisses pour ça. Vraiment. Quand la femme ment, c'est comme le faire repasser. Hein. Aucun pli, quoi. Et quand l'homme ment, c'est comme le pubus. Il a toujours une petite fois cachée une autre. Quelque chose me dit que toi, tu dois souvent te balader dans le Facebook de Malève. Ça doit être difficile à ne pas pouvoir te contrôler. Non, parce que tu veux dire. Ah ouais? Mademoiselle, un jour, c'est juste pour la forme, le lendemain, tu cours après toutes les filles que tu bouscules juste pour les récupérer. Mais je demande, Mejo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es toujours te mettre dans les problèmes des femmes comme ça? T'as pris ce chenet gâté, tu n'as rien à faire. Et puis tu crées ton business en le mettant devant, en espérant qu'en flattant son ego, il restera pour toi toute seule. Mejo, laisse-la. Ouais, tu es devenue psychologue, vrai, vrai. Ma chérie. La libido de l'homme ne connaît pas l'autre langue, tu vois. Comme on fait son lit, on se couche. Si tu exhibes ton trophée, on va te le voler. Bravo, Titi, pour cette leçon. Quand ce sera le jour de l'examen, tu nous préviens, on viendra composer. En attendant, prends la porte, s'il te plaît. Tu t'as suffisamment vu comme ça aujourd'hui. Mais pas de soucis. Et Medjo, si tu continues comme ça, tu risques de finir seul. Ça ne me fait pas peur, Joël. Bonsoir, Laetitia. Les gars, ouais. Oh, que tu sais, c'est comme un prisonnier, non? Malève, tu dis, ton problème c'est quoi? Je suis casanier, c'est pas nouveau. Non. Casanier, d'accord. Tu comprends, non? Hein? Tu vas te dire, mon nouvel goût là. Hein? Gars, tu ne peux pas me fuir. Si on t'envoyait me sonder, bien me poser un problème particulier, gars, fais le ménage, tout le monde qui est du pot. Gars, je suis un peu mon investissement. Tiens. Gars, attends. C'est pas mon t-shirt ça. Ça pue bah, un t-shirt que je charge de from. Hein? Tu es sûr? Il est mono. Gaël peut-être ça sous le rien d'une de tes meilleures go. Mais petite. Hein? Il a ramassé comme ça. Il n'y a encore. Mais t'inquiète pas. Ça reste entre nous. Malep. Il dit, hein. Ton rôle de mannequin là. Mm-hmm. Ça ne permet pas de bailler chombé. Tu vas fuir les tiroirs de ta soeur. Tu n'y encore. C'est le vrai. Mais tu sais quoi? Gars. Tu frimes avec mon pyjama, je ne dois pas. Hein. C'est ça. Tu sais, même avec le sac banjo. Tu sais quoi? Je suis toujours chaud. Ah oh bon? Hein? Gars, tu me nommes. Oh, y'a un mannequin, j'ai ri. Ah, c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Non, non. Ah, pitié. Ah, pitié. Mon ami. Pitié. Pitié. Là, tu es fou, tu ne dois pas. Gars, mon frère. Tu sais, gars. Tiens, mon ton. Quel genre? Tiens mon temps. Est-ce que le cœur a le salon? Gars, tu es bon chinois, tu as ton bon goût, dis donc.